Départ de Loire-Atlantique pour la 5e étape et plus précisément du Rouget pour le peloton international du Tour de Bretagne cycliste après 30 km. Une échappée de 5 coureurs se formera. On y retrouve le Kazakh Sergei Lushenko d'Astana City, Fabian Liénard de Yam Excelsior et 3 coureurs français. Adrien Lagré pour ce Jasson Espoir, Léo Danès pour le team Unante Atlantique et Valentin Ferron sous les couleurs de la sélection des Pays de la Loire. Ils totaliseront jusqu'à 5 minutes d'avance sur un peloton dont plusieurs unités tenteront d'en sortir sans succès. Peter Kibble, porteur du maillot de meilleur grimpeur, en fait d'ailleurs partie. À l'entrée sur le circuit, l'écart sera de 1 minute et 40 secondes, mais l'entente parfaite entre les fuyards jusque dans le final leur permettra de jouer la gagne. C'est Sergei Lushenko qui s'impose donc au ferré à l'issue des 191,5 km de l'étape la plus longue de cette 53e édition. Du changement également côté classement général, c'est le Suisse Fabian Liénard qui en est désormais le nouveau leader.